Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on revient pourquoi aujourd'hui ? Et bah tout simplement parce qu'on arrive bientôt au mois de novembre et qui dit mois de novembre, bah tout le monde pense mois dégueulasse, il fait pas beau, il pleut. C'est pas possible, il fait au moins, moins 8000. Mais pour nous, fans de rugby, le mois de novembre ça veut quand même dire la tournée du 15 de France. Et comme vous le savez tous, durant cette tournée 2021 du 15 de France, on va avoir un troisième test face à la Nouvelle-Zélande, un match au sommet. Et moi, j'attends beaucoup de ce match parce que vraiment, la Nouvelle-Zélande me fait absolument pas peur du tout. Et pour que vraiment l'équipe de France, pour leur confiance et pour vraiment faire passer un message à toute la planète rugby, j'attends une grande performance des Bleus tout simplement. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va revenir sur un autre France-Nouvelle-Zélande, parce qu'évidemment France-Nouvelle-Zélande, quand on te dit ça, t'as des souvenirs, c'est obligé, c'est comme si on te dit France-Brésil au foot ou Allemagne-France en histoire. Même si bon, on va s'arrêter là pour les comparaisons. Et donc comme je l'ai dit, forcément quand on parle de France-Nouvelle-Zélande, on a des souvenirs plein la tête tout simplement. On a France All Black 2007, 99, bon, on a aussi la honte comme en 2015. Mais t'es obligé que ça t'évoque quelque chose. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un match qu'on a peut-être tendance parfois à trop oublier, le France All Black de 1994. On se remet tout de suite dans le contexte, nous sommes le 3 juillet 1994 à l'Eden Park d'Auckland, un temple de l'histoire du rugby, et au programme un match entre les deux meilleures équipes du monde à cette époque-là. D'un côté, la plus grande nation de l'histoire du rugby, l'ogre néo-zélandais, et de l'autre, l'équipe de France, emmenée par Pierre Berbizier, et qui est pour beaucoup d'observateurs à cette époque, la meilleure équipe du monde. Autant vous dire que ce match-là, ça va se taper, ça va... D'autant plus d'ailleurs que la France a déjà remporté le premier match de cette tournée, une victoire très solide 22 à 8 contre ces mêmes All Blacks, une défaite qui n'est pas du tout passée en Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi Vengeur, le capitaine des All Blacks, a affirmé avant la rencontre que les Bleus allaient vivre l'enfer. On va maintenant passer au compo des deux équipes, et côté français, bah on a une équipe absolument incroyable, voilà, vous voyez les noms qui s'affichent à l'écran, c'est magnifique. On a un Émile Ntamack, bien évidemment le père de Romain. En même temps, quand il y a un Ntamack en équipe de France, en général, ça se passe plutôt bien pour les Bleus. Thierry Lacroix, Philippe Sella, Philippe Saint-André aussi, qui avant d'être un piètre sélectionneur, était un joueur absolument extraordinaire. Mais bon, c'est pas arrivé qu'à lui d'être un joueur exceptionnel et avoir plus de difficultés en tant qu'entraîneur. Hein. Un Titi. Thierry, qui m'a appelé Henri là? C'est ça l'éducation, la jeunesse, Thierry, la jeunesse. Mais bon, sur le papier, c'est une équipe absolument magnifique. Une équipe qui aurait d'ailleurs dû avoir une Coupe du Monde, mais je vais pas pouvoir parler de ça aujourd'hui parce que j'ai pas prévu malheureusement de parler d'équipe 100% chargée, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais bon, il n'y a aucune pression à avoir côté français. Côté néo-zélandais, c'est du très lourd aussi. Bon là, je pense il y a un petit mec, vous avez remarqué là, un petit ailier. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon, je vous laisse découvrir et vous faire votre avis sur lui. Mais bon, en dehors de ça, le reste c'est toujours hyper solide, et j'ai envie de vous dire qu'il ne reste plus qu'à siffler le coup d'envoi. Ah non, j'ai oublié quand même, France-Nouvelle-Zélande, le AK, on va pas le passer. Alors là, vous direz peut-être ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve quand même que le petit saut à la fin là pour le Kamaté, ça enlève un peu du guerrier, tu vois. C'est pas terrible, bon, vraiment, j'ai pas votre avis à vous, mais je préfère, j'ai une petite préférence pour le Kappa Opongo perso. Il se peut qu'il y ait des averses au cours de la rencontre, en tout cas c'est ce qu'a prévu la météo néo-zélandaise. L'arbitre de la rencontre est gallois, il s'agit de monsieur Bivan, c'est lui qui va siffler le coup d'envoi de ce match. Je savais pas encore qu'il allait nous baiser celui-là. Jeff Wilson sur le banc des remplaçants, c'est parti avec un premier ballon pour
les Français. Diaco Seberi qui a pris. Et pénalité contre les Néo-Zélandais, on a plongé. Dès le coup d'envoi, les Français récupèrent une pénalité. La Croix se charge de buter, ça passe, 3-0 pour l'équipe de France. Malheureusement, quelques minutes plus tard, on est à la faute côté français. Les All Blacks ont l'occasion de recoller à 3 partout. Je pense. Il va falloir faire aussi bien aujourd'hui parce qu'on a des Néo-Zélandais surmotivés après leur défaite. Ça va être court, non, ça passe entre les barres. C'est tendu, ça passe pour Cooper, 3-3. Les Néo-Zélandais sont de plus entreprenants en ce début de match et récupèrent alors une pénalité pour passer devant au score. Monsieur Bivan qui intervient, position de hors-jeu des Français. Pénalité contre l'équipe de France. Avec les Néo-Zélandais, pénalité donc pour la Nouvelle-Zélande que va tenter Matthew Cooper. Et elle passe entre les barres. Ça passe, 6-3 pour les All Blacks. Le match est hyper tendu, c'est un vrai bras de fer entre les deux équipes. L'intensité est folle et des fois, il y a des coups qui sont un peu à la limite. C'est Diaco Seberi qui peut relancer pour Thierry Lacroix. Ouh, le bouchon sur Thierry Lacroix. Ouh, le pauvre Thierry Lacroix qui va avoir du mal à se relever. Pénalité là sûrement. Quel caramel de Frank Boone sur Thierry Lacroix. Alors moi, je suis pas expert en criminologie, mais là, il y avait clairement intention de nuire. Je n'ai pas de marche arrière, je ne pourrais donc pas reculer. La voix de mes pères, de mes grands frères me dit tu les, 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 tu les. Au moins, ça a le mérite de donner le ton de la rencontre. Les Français subissent de plus en plus, mais heureusement pour nous, on a un Tamac dans l'équipe. Chop, Boons, interception d'Emile Tamac. Il peut aller au bout, il le reverra pas. Il le reverra pas, les Milou jusqu'au bout. Il va rentrer dans les 22. Allez, c'est bon, l'essai pour l'équipe de France. L'interception d'Emile Tamac. Et c'est pour le 15 de France. Et c'est d'Emile Tamac sur cette superbe inspiration. Il intercepte la passe de Boons. Tiens alors, hein, ça fait moins le malin. Et puis là, ensuite, bah, pour le rattraper, bah, c'est foutu. Hein. Moi, j'aurais été néo-zélandais, carrément, j'aurais même pas couru, ça sert à rien. Essai de Tamac, 8-6 pour le 15 de France, avant la transformation. En face des poteaux, ça passe sans problème. 10-6, le 15 de France respire. Hélas, on n'arrive pas à garder le ballon, et à force de subir, on commence à commettre des fautes. Monsieur Bivan qui siffle une position de hors-jeu des Français, pénalité contre l'équipe de France. Ah, ça va, elle part bien. À 40 mètres dans l'axe, Cooper est impeccable, 10-9, un petit point seulement sépare le 15 de France des All Blacks. En cette fin de première mi-temps, le 15 de France arrive à revenir dans les 22 Néo-Zélandais, une No Blue récupère une nouvelle pénalité. C'est Bélézèche qui est repoussé au sol. Et Monsieur Bivan qui siffle une pénalité pour l'équipe de France. On a plongé côté néo-zélandais. Au Canada. La pénalité de Thierry Lacroix. Oh, elle passe encore. 3 points supplémentaires pour l'équipe de France. Thierry Lacroix reste intraitable face au perche. 13-9. On en restera là d'ailleurs à la pause. Le 15 de France subit. Mais tiens. Rien n'est encore joué dans cette rencontre au sommet. La deuxième période repart sur les mêmes bases que la première, et là, même si on l'a encore que très peu vu dans cette rencontre, attention au numéro 11 néo-zélandais. Hé ! Attrapez-le ! Ah, vous l'attrapez pas lui, hein ? C'est n'importe quoi. Un joueur aussi rapide et aussi puissant à la fois, c'est du jamais vu dans le rugby. Regardez, ils sont obligés de s'y mettre à 40 les Français pour pouvoir l'arrêter, c'est trop. Les Néo-Zélandais tentent mais n'y arrivent pas et on commence à voir les premiers gestes d'énervement côté All Black. Un ballon pour Cavan, Cavan c'est là pour Tamac, et Tamac dans son couloir. Oh, plaquage et retardement de Jonah Lomu. Pénalité pour le 15 de France sur cette grossière faute de Jonah Lomu. Delo s'élance à la place de Thierry Lacroix. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense pas. Ah,
Cette tentative est absolument catastrophique de la part de l'ouvreur français. J'ai jamais vu un buteur tirer de cette façon, c'est un massacre. Le 15 de France remet alors la main sur le ballon, mais hélas, dans le combat, les Néo-Zélandais sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Qui s'est jeté sur cette balle, ballon récupéré par les Néo-Zélandais, ballon perdu par les Français sur cette mêlée. Les Néo-Zélandais qui sont à 10 mètres de la ligne, ballon toujours pour les Blacks. Sean Fitzpatrick à 2 mètres de la ligne, il est repoussé in extremis. Est-ce qu'il a pu aplatir Monsieur Bevan qui ne va pas accorder? Si, Monsieur Bevan qui accorde cet essai en faveur des Néo-Zélandais. Essai pour les All Blacks, essai du capitaine Fitzpatrick. On est complètement à la rue sur cette action côté tricolore. Les Néo-Zélandais repassent devant. Rejoint le record de Gary Whitton, mais à deux longueurs de John Kirwan. La transformation à suivre de Matthew Cooper. La transformation est manquée, un seul point sépare les deux équipes. La fin de match s'annonce irrespirable. Les Français sont de plus en plus en difficulté sur cette fin de match. Et encore une fois, on est pénalisé. En Argentine, une tournée victorieuse en Afrique du Sud avec un nul et une victoire. Et la pénalité réussie par Matthew Cooper. Et là... Ça passe pour Cooper, 17 à 13. Il va falloir se réveiller côté bleu. Les Français ne se laissent toutefois pas abattre et leurs efforts finissent par être récompensés. Benezej qui a avancé, ballon toujours pour les Français qui va sortir. Akosé Berry, Delo. Delo pour Benazi qui est pris, mais ballon toujours pour les Français. Akosé Berry qui va tenter de le sortir. Pénalité contre les Néo-Zélandais en faveur de l'équipe de France. Et la pénalité que va tenter Christophe Delo. Ça passe cette fois-ci pour Delo, 17-16. Aucune des deux équipes n'arrive à prendre le large dans cette rencontre. Pour les Néo-Zélandais, Forster, Bashop, Bashop qui charge. Il a le soutien dans Brewer, Brewer qui est bien pris. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais, pénalité contre les Français. Et quelques secondes plus tard, malheureusement, on est encore une fois à la faute et on offre l'occasion à la Nouvelle-Zélande de ravoir 4 points d'avance, cette fois-ci à peine 15 minutes de la fin. Bien, elle passe entre les poteaux. Le buteur All Black, Cooper, ne tremble pas et encore une fois, ça passe 20 à 16 pour les All Black. Le temps passe, et là, on se dit que l'affaire est de plus en plus compliquée pour les hommes de Pierre Berbizier. Merle est là pour l'arrêter. Ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui vont essayer sûrement de garder le ballon au maximum au sol. Le coup de pied de Bashop récupéré par Saint-André. Il ne tape pas la relance de Saint-André. Saint-André qui relance, il efface deux adversaires, il est pris. Il est pris, Philippe Saint-André. Ballon bien libéré, attention, ça peut être dangereux. Gonzalez pour Delo. Delo pour Benazi. Benazi qui fait l'intérieur, il est capturé de Tarek. Il a forcé la balle sur la courbe intérieure. Cavalier pour Delac. Delac est passé sur le but de mettre le Zélandais. Le ballon pour moi, c'est bien, il m'a trop vite aussi. Pour Saint-Louis, il essaie. Il essaie de l'équipe de France. Allez, c'est le temps pour moi. Quel essai absolument phénoménal du 15 de France. Un essai de 80 mètres à 2 minutes de la fin. Une action irréelle. Gonzalez, Delo, Benazi, Entama, Cabane, Deleg, Ascoveri et enfin Sadourny. C'est le French Flair à l'état pur. La magie du 15 de France des années 90 qui vient littéralement climatiser, crucifier l'Eden Park d'Auckland. Et oui, ce soir la meilleure équipe du monde, c'est pas la Nouvelle-Zélande comme à son habitude. C'est bien l'équipe de France. Ne serait-ce que 2 points supplémentaires, ça serait pas mal. Et elle passe! 2 points supplémentaires pour Christophe Delo et pour l'équipe de France. 23 à 20 pour la France. Toujours sur les 22 mètres des Néo-Zélandais. Tant qu'on est là, on est plutôt pas mal. Alors toujours pour les Néo-Zélandais, mais ils perdent du temps. Là, c'est bien les Français. Les Français, eux, gagnent du temps. Et c'est la fin du match, c'est fait. Le match se termine 23 à 20 pour l'équipe de France. Une victoire magnifique des Bleus dans le pays du rugby. En Nouvelle-Zélande sur un essai génialissime, un essai qui aura marqué tous les observateurs du rugby, un essai que l'on a ensuite surnommé l'essai du bout du monde, une illustration ultime de ce qu'est l'ADN profond du 15 de France, une équipe magnifique à voir jouer et complètement imprévisible.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu, que vous avez pu avoir vous remémorer des souvenirs de fou pour les plus vieux et que les plus jeunes ont pu redécouvrir encore des matchs de malades mentaux tout simplement du 15 de France à l'époque où vraiment pour moi, fin d'année 80, début 90, c'est le meilleur 15 de France parce que c'est vraiment beaucoup trop beau à avoir joué, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi, maintenant, je sais pas si vous avez vu, je pense que vous en battez les couilles, mais on a débloqué l'onglet community sur la chaîne et j'avais réfléchi à un truc. Ce serait qu'on pourrait pourquoi pas essayer de se faire des matchs de légende en live. Donc voilà, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, tout ça, et j'y repenserai. Et pourquoi pas se faire ça dans les semaines qui viennent, ça pourrait être super cool. Moi je commente en même temps le truc et vous puissiez réagir en même temps en apportant des petites précisions, des anecdotes et tout, ça pourrait être vraiment cool et je pense que vous pourriez bien aimer et ce serait vraiment cool de faire ça sur la chaîne je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Revan, salut!